Léa? Elle est où ma ceinture? Laquelle? À la noire là. Celle qu'on va faire pour mon anniversaire. Bah dans la commode. Je stresse un peu là. C'est que c'est une journée importante. Je dois présenter mon projet immobilier aujourd'hui. Je suis sûre que ça se passera bien. Faut surtout que je sois impeccable. Ah, t'es toujours impeccable. Ouais. Bonne journée. Bye! J'arrive! Matt? Matt! Oh, merde. Matt! Matt! Je crois qu'il veut sortir. Oh, j'ai l'impression d'avoir un troupeau de buffes qui me piétine le ventre. Mais qu'est-ce que tu fous? Bouge! Faut y aller! Fais la valise! Et je prends quoi? La lunette qui est dans la commode! Et quoi? D'autres! Vite! Et mon Murakami! Et prends ma trousse de toilette! Et quoi d'autre? Mais qu'est-ce qu'il est lent cet ascenseur? Et en plus j'ai la dalle. Eh, ça va? T'as pas l'air bien. Si si, ça va, t'inquiète. Ouais. Faut que je te dise un truc. Ta-da! Matt. Tiens, ma puce, c'est pour toi. Allez, à table! Maman? Mais oui, c'est la fête! Alors, vous voulez quoi? Un appart, une nouvelle maison, un château? Moi, je vous construis ça tout de suite. Tu l'as eu? Eh, ouais. Oh, c'est formidable! Oh là là! Merci. Tu le savais, toi, Léa? Je sais pas de quoi vous parlez. Bah, mon concours en entrée d'école d'architecture! C'est formidable! C'est génial, bravo! Merci. Bah alors, moi aussi, j'ai quelque chose à vous annoncer. Et il faut qu'on fête ça, non? Hein? Je vais préparer les apéros. Allez. Tu viens avec moi, Léa? Félicitations, viens, on s'occupe du champagne. C'est vraiment formidable. Lui qui avait tant de mal. Ouais, c'est génial, je suis trop contente. Il a travaillé tellement dur pour ce concours. Tu sais, bah je crois que c'est en grande partie grâce à toi tout ça. Non, c'est vrai, il est transformé, je le trouve rayonnant. Bah merci. Mais il sait aussi qu'il peut compter sur sa famille quoi qu'il arrive. Ah, ça c'est vrai, la famille pour nous c'est important. Pareil pour moi. D'ailleurs, je suis sûre que Matt fera un père merveilleux. Un père, oulala, comme tu lui vas, ma chérie. Cela dit,
Moi aussi, j'en suis persuadée. Enfin, pour le moment, il faut qu'on continue à soutenir. Et puis, faire en sorte que rien ne se mette en travers de sa route. Vous avez raison. Léa Troiano ? Bonjour. Suivez-moi. Léa, êtes-vous au clair avec votre décision ? Au clair ? Oui, je crois. Même si c'est une décision difficile à prendre, j'ai vraiment envie d'avoir un enfant avec Matt. Souhaitez-vous qu'on en parle ? Non. J'y pense continuellement, j'espère avoir fait le bon choix. Et quel est ce choix ? J'avorte. Je pense qu'actuellement, c'est la meilleure chose à faire. Votre compagnon est-il au courant de votre décision ? Oui. Non. Pas vraiment, à vrai dire. Et souhaitez-vous lui en parler ? Non. Là, c'est vraiment pas le moment. Que ce soit pour lui ou pour moi, il y a trop d'enjeux actuellement. On n'est vraiment pas en mesure d'accueillir un enfant convenablement. Vous semblez sûr de votre choix. Auriez-vous des questions à poser ? La seule question que j'aurais, c'est pour la suite, plus tard. À ce niveau-là, je peux vous assurer que les risques sont infimes et que ça ne compromet en rien une grossesse future.